j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas, je compte sur vous la team. Je vous fais confiance. N'oubliez pas donc de mettre le petit like. N'oubliez pas de partager la vidéo en masse. N'oubliez pas donc de mettre votre avis dans les commentaires sous cette vidéo juste après. Et surtout, n'oubliez pas donc de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Surtout Instagram, je compte sur vous. Ça prend deux petites minutes, même pas. Tous les liens sont dans la description, je compte sur vous les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit de la marque BenQ. Tout simplement, c'est ce petit produit. C'est donc le Screen Bar, tout simplement pour ordinateur, que ce soit des ordinateurs fixes ou pas, hein, de toute façon, que ce soit des ordinateurs fixes ou portables. Aujourd'hui, on va parler de la marque BenQ. Et oui, en effet, BenQ m'a contacté et m'a envoyé donc leur screen bar à tester. Du coup, ben c'est ce que je vais faire. J'ai reçu donc ce petit colis il y a quelques jours. Donc, bien évidemment, je l'ai testé avant. La vidéo devait sortir avant. J'ai eu un petit peu de retard. J'en suis désolé. Il y a eu un petit souci technique, mais c'est réglé. Et du coup, effectivement, j'ai reçu ce screen bar. Et qu'est-ce que c'est en fait le screen bar de chez BenQ? Alors, ce screen bar, il a justement pour but donc de nous aider à améliorer notre expérience sur les écrans grâce à sa lumière. Il existe plusieurs types de lumière. Je vais vous faire un test, bien évidemment. Je vais vous présenter le produit, bien évidemment. Alors, il faut savoir, bien évidemment, du coup, que on a tous passé des heures et des heures, que ce soit au travail ou que ce soit donc à la maison, à regarder des vidéos, à regarder la chaîne Dylan Technologies par exemple, à regarder, à jouer à des jeux, etc. Et tout ça, on a passé énormément de temps sur ces écrans qui nous diffusaient une lumière qui était néfaste sur du long terme pour nos yeux. Et c'est pour ça, du coup, que BenQ a pensé à créer ce fameux screen bar qui va tout simplement, du coup, nous faire du bien à nos yeux. Et c'est ça l'essentiel. Grâce à ce screen bar où vous pourrez contrôler la luminosité, qu'elle soit plus chaude ou plus froide, je vais vous montrer bien évidemment. Bien évidemment avec un détecteur de luminosité ambiante, donc ce qui va vous servir du coup grâce à ça, le screen bar lui-même va pouvoir activer l'intensité plus forte ou pas du screen bar tout simplement, en choisissant donc lumière chaude ou lumière froide, tout ça grâce du coup à ce screen bar et qui fait du bien avec une expérience vraiment géniale. J'ai pu le tester et c'est pourquoi du coup je vous fais cette vidéo, je vais vous présenter du coup le produit. Alors grâce justement à ce capteur qui est un capteur auto-atténuation, optimisation immédiate donc de luminosité tout simplement, grâce au capteur donc de lumière intégré, screen bar règle le niveau de la luminosité donc automatiquement et immédiatement, et ça c'est vraiment génial grâce à ça. Il est aussi donc réglé avec le bouton tactile, mais le panneau de contrôle est uniquement pour le screen bar plus, parce qu'effectivement il existe du coup le screen bar plus tout simplement du coup de chez screen bar de chez BenQ. Et oui, et bien évidemment ici on peut retrouver donc ce fameux pavé tactile tout simplement, donc pour justement régler l'intensité de la lumière chaude ou froide, comme on va pouvoir le voir. On peut régler du coup l'intensité. Là, on est plus sur une lumière chaude, comme vous pouvez le constater. Et là, on va plutôt passer bientôt sur une lumière froide. On peut également, ça c'est pour la luminosité. Et donc ici, c'est justement donc pour régler la lumière chaude ou la lumière froide, tout simplement. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Bien évidemment, ce sont des pavés tactiles. C'est plutôt agréable, c'est plutôt génial de pas pouvoir toucher une sensation de bouton et tout. Et c'est ça vraiment qui est super cool. Bien évidemment, on l'allume ici, donc pareil, pavé tactile, aussi pour l'allumer comme pour l'éteindre, tout simplement. Et si on peut voir le test qu'il va nous faire, c'est que du coup, le pavé tactile, lui, va pouvoir, voilà, en appuyant sur le pavé tactile, on allume ou on éteint le screen bar. Et du coup, pareil, pour le maintenir sur vos écrans, il est compatible donc avec tous les écrans et il pèse donc, avec une épaisseur, pardon, donc de 1 à 3 cm, ce qui est plutôt pratique. Pas besoin de prendre beaucoup plus de place que ça, non, parce que justement, BenQ s'adapte parfaitement sur tous vos écrans et du coup, comme j'ai dit, avec une épaisseur de 1 à 3 cm.
Peut-être que vous vous dites, ouais, mais est-ce que ça va pas m'éblouir, etc. Eh bien non, justement, c'est fait pour, ça a été conçu pour, justement, le screenboard ne va pas vous éblouir. Il éclaire essentiellement donc votre bureau, l'interface donc de votre bureau, ainsi que quand vous allez regarder votre écran, tout simplement, vous allez passer, vos yeux vont forcément passer à travers cette lumière, donc chaude ou froide, à vous donc d'en juger, à vous de décider quelle lumière vous voulez, mais effectivement, il n'y a aucun éblouissement. Et bien évidemment, c'est un câble donc qui est alimenté par USB et universel. Donc là, vous avez la prise universelle qui est alimentée tout simplement donc le câblage via un USB. Donc en fait, vous pouvez utiliser tout type de chargeur avec USB universel et ça n'en manque surtout pas. Donc il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Comme je vous l'ai dit, du coup, vous pouvez régler donc la température de couleur. Donc la couleur chaude vous permet donc de relâcher et de reprendre de l'énergie. La couleur froide donc vous permet de vous concentrer et d'augmenter l'efficacité de votre travail. Tout ça c'est réglable ici sur le pavé et vous pourrez donc voir votre différence ici. Là, vous voyez qu'on est sur une lumière qui est chaude, qui est dite chaude, mais on peut sélectionner une lumière aussi qui est dite froide. Vous avez bien évidemment donc aucun souci, comme je vous ai dit, d'éblouissité ou tout autre. Franchement, le screenboard il éclaire très bien, il fait très bien son travail. Franchement, je suis vraiment content de ce produit. Et franchement, il n'y a aucun souci quoi. Moi, c'est vrai que quand je mets les lumières chaudes et tout, ça me repose vraiment bien les yeux et tout. Et franchement, c'est ça qui est cool. Vous voyez qu'il est éclairé donc en dessous et du coup, qu'il n'y a aucun souci. Si on fait comme ça, il n'y a aucun souci par rapport à des éblouissements ou autre. Et quand on veut regarder l'écran de son ordinateur, forcément nos yeux vont passer à travers cette lumière qu'on voit ici, la lumière dite chaude, pour aller directement sur nos écrans et vraiment bien nous reposer les yeux. Du côté des garanties et de la sécurité, il n'y a aucun souci à se faire avec BenQ. Tous les matériaux sont conforme au règlement de la directive européenne. Donc, il n'y a aucun souci à vous faire, que ce soit sur les certifications standards mondiales, que ce soit donc sur les LED qui sont conformes, etc. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez me croire. Et voilà. Et franchement, on voit après la qualité sur du long terme, etc. Que franchement, heureusement qu'il y a le screenboard qui est là. Le screenboard, du coup, est livré dans ce petit packaging que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la petite boîte qui est très bien faite d'ailleurs. Une boîte vraiment avec un espèce de papier glaçant, si je puis dire, vous voyez, qui est assez joli, assez sympa en fait, en termes de, que ce soit en termes de design ou pas. Et franchement, c'est super cool. Donc là, il y a quelques instructions qui sont encore dites. Donc franchement, on manque pas d'instructions. Et si on a un problème, de toute façon, on a juste à contacter le service client de chez BenQ. Mais même sans le service client, de toute façon, je pense pas qu'il y ait de problème, franchement, car c'est très 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 simple. Du coup, concernant donc les caractéristiques techniques de ce screenboard, du coup on est sur du 0,53 kg pardon, donc avec des LED qui sont bicolores bien évidemment, avec un indice de rendu de couleur à 87 qui est très bien, et les lumens T du coup qui vont donc de 2700 à 6500, donc avec franchement une très bonne luminosité du coup ambiante, avec un éclairement donc de 1000 lux qui est plutôt pas mal également, et une température de couleur qui va donc de 2700 à 6500 qui est vraiment génial, une consommation d'énergie très basse franchement, voilà, il est très très basse en mode, qui va à 5 watts au grand maximum. Donc là on est aussi tranquille. Les matériaux utilisés donc sont de l'alliage d'aluminium et du plastique technique, tout simplement. Voilà, il suffit pas de mettre un milliard d'autres choses, et justement c'est ça qui est très bien fait et qui est très bien reproduit, comme vous avez pu voir. Il est classe en vrai, le screenboard il est vraiment classe. Les dimensions donc c'est du 450 x 90 x 92 mm et c'est fabriqué en Taïwan. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le Screenboard Plus, donc la version améliorée? Et bien quelques améliorations donc concernant la luminosité, les réglages de la luminosité justement, et les paramètres de la luminosité. En gros, c'est à peu près ça, mais ça reste un très bon produit, et le Screenboard Plus est un excellent produit, tout comme le Screenbar tout simplement. Moi maintenant, je l'utilise tout le temps, le Screenbar, et je n'ai aucun souci, et il m'aide vraiment énormément concernant la luminosité, franchement, mais ça m'aide énormément, mais ça fait un bien à mes yeux, mais oh là 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 là, je vous jure, ça fait vraiment un bien fou, sachant que vous le savez pour certains que je porte des lunettes, même si je les mets pas tout le temps, c'est pas bien ça. Attention,
C'est un mauvais exemple, faut porter vos lunettes si vous en avez. Bref, non, en vrai, oui, c'est vraiment bien. Parce que quand on sait que les lumières de nos écrans, que ce soit ordinateur portable, ordinateur fixe, télévision, jeux vidéo, téléphone, tout ça, les lumières sont très, 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 très néfastes pour nos yeux sur du long terme. Et c'est ça le problème. Et du coup, franchement, avec le screen bar, ben moi, en vrai, mes yeux se sont reposés. Et c'est ça vraiment le gros, gros plus que je peux dire, du coup, concernant ce screen bar. Bien évidemment, vous pourrez du coup retrouver donc le lien du screenboard Amazon donc dans la description. Je compte sur vous les amis pour aller dans la description, et si ça vous intéresse vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun souci de ce côté là franchement c'est un super produit qui vraiment est vraiment utile en fait hein. Franchement là c'est pas un produit ouais machin et tout, non il est vraiment vraiment utile et franchement il est vraiment cool quand on voit la luminosité que ça peut nous afficher etc, c'est ça qui est génial en fait de ce côté là Donc franchement, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de ce screen bar. Cette vidéo est terminée, comme je vous ai dit, vous pourrez retrouver donc le lien du screen bar dans la description ainsi qu'un code promotionnel. Eh bah oui, c'est tout gratuit, allez-y, bénéficiez donc de ce code promotionnel du coup à appliquer sur Amazon. Tout est dans la description, je compte sur vous les amis. N'oubliez pas de m'exploser la barre des likes, je compte sur vous les amis. On peut atteindre plus de 10, 20, 30 j'aime, c'est totalement possible, on l'a déjà fait. Je compte sur vous pour liker un maximum, pour partager un maximum autour de vous. Pensez à vos proches, hein, franchement, pensez à vos proches qui auraient besoin d'un screenboard justement pour améliorer la qualité et pour avoir un effet moins néfaste sur le long terme sur les yeux, sur vos yeux. Et c'est très sérieux, hein. Donc c'est la santé, hein. N'oubliez pas, la santé c'est très très important les amis, faites très attention, d'accord? Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum, je compte sur vous la team. N'oubliez pas donc de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description, surtout mon Insta, je suis très actif, ça prend 2 minutes même pas, c'est dans la description, allez-y. N'oubliez pas du coup de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous, ma team, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à BenQ, merci à vous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.